Méloustique, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon, on se retrouve pour la vidéo budget de la semaine. Alors, il est vrai que vous aviez eu plusieurs petites vidéos budget. J'espère malgré tout qu'elles vous ont plu. J'ai reçu pas mal, de petits mails à droite, à gauche. Mais je m'en excuse, il y a des fois où je réponds et il y a des fois où je décale un petit peu les réponses. Parce que j'ai essayé d'arranger au niveau de mes commandes. Et je crois que je vais en fait retirer ce qui reste et après j'essaierai de faire partir au niveau de la poste parce que là ça commence vraiment à faire beaucoup. Les premières commandes, bah, soi-disant, ils les ont perdues. Les deuxièmes, ils ne savent pas où ça en est. Donc je préfère ne plus trop me prendre la tête. Je crois que je vais vraiment faire tout partir via la poste, quitte à mettre un petit peu plus cher. Je préfère, au moins on est sûr et certain que tout va bien partir. Ou sinon, par contre, j'ai trouvé un autre point relais qui, eux, franchement, ils sont au taquet. Donc je préfère faire quelques petits kilomètres à pied et au moins être sûr que les colis sont entre de bonnes mains. Donc, concernant la vidéo d'aujourd'hui, on va clôturer la semaine qui vient de se finir. On va remplir bien le challenge des vendredis. On va jeter un œil au niveau du challenge jour de pluie. Plus ou moins contente cette semaine avec le challenge jour de pluie. Bon, il y a quand même eu 2-3 jours. Mais voilà, après on a eu de la neige. Malgré tout, le vendredi on a eu de la neige, de la pluie et puis bah, de la neige. Donc ma foi, c'est quand même pas plus mal, on va dire. J'ai pu épargner quelques petits sous. Et alors ensuite, je pense qu'il va falloir sûrement que je modifie ma monnaie, enfin mes billets, par rapport à d'autres enveloppes. Donc il va vraiment falloir que je regarde tout ça, parce que j'ai pu uniquement retirer des billets de 50 euros, et j'ai 2 billets de 5. Donc ça va être un petit peu short pour moi, donc je vais essayer de voir en clôturant cette semaine ce que j'arrive à retirer. On va remplir les différents challenges et alors après je pourrai faire un point au niveau de mes enveloppes, du moins au niveau de l'enveloppe de janvier, voir si je peux justement retirer bah, peut-être 50 euros en petite coupure et alors modifier au niveau de mon retrait. Donc moi, mes loustiques, je vous dis à tout de suite, on va se tourner face au bureau et à mes classeurs. On va regarder un petit peu tout ça, donc en premier temps, on va clôturer cette semaine et puis on fera dans l'ordre donc les challenges, les défis et on pourra remplir le classeur pour cette dernière, plus ou moins en tout cas pour moi, dernière semaine de janvier. Donc moi je vous dis à tout de suite. Bon, nous y voilà, j'ai au moins mis pas loin de 15 minutes à essayer de trouver le bon emplacement de la ring light, du trépied et ça commence à être vraiment très compliqué pour moi. Mais j'ai plus envie d'investir pour le moment avec un nouveau trépied, tout ça. Je vais essayer de voir si je ne peux pas encore une fois modifier l'emplacement du bureau. C'est à voir. Donc, cette semaine, au niveau de l'enveloppe course, on avait donc effectué un dépôt de 50 euros. J'avais laissé les 60 euros de la semaine précédente. Donc, on était donc à 110 euros. Le 16, je suis allée au Carrefour, j'en ai eu pour 30 euros. Il me restait donc 80. Le 18 janvier, je suis donc retournée encore une fois au Carrefour pour 2-3 petites choses d'appoint et pour Victoria. Donc j'en ai eu pour 14,30 €. Il me restait 65,70 €. Et alors le 20 janvier, je suis encore allée à Carrefour et là j'en ai eu pour 40 euros. Mais vraiment 40 euros tout rond. J'en ai eu pour 39,99 €. Et donc, il me reste 25,70 € au niveau de l'enveloppe. Pardon. Donc, en toute logique, c'est bon. Je n'ai rien oublié de noter, j'espère en tout cas. Alors, on va retirer la monnaie. Oup. Bon, on va y arriver. Hop. Hop là. On va essayer de rien perdre surtout. Hop, et j'en ai encore une qui se promène. Donc, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 25,20 €, 25,30 €, 25,40 €,
40, 25 euros 60, 25 euros et 70 centimes. Donc pour ça, on est bon et ça c'est cool. Alors, je vais bien évidemment mettre tout sur le côté. On s'en occupera juste après. Ce sera beaucoup plus simple. Hop. Donc pour l'enveloppe course, on est bon et j'ai déjà clôturé cette semaine. Ensuite, au niveau de l'enveloppe autres dépenses, donc on avait effectué un dépôt de 20 euros à l'intérieur. Et le 21 janvier, je suis donc partie à la FNAC avec Victoria pour son livre. On en a eu pour 8,95 €, donc il me reste 11,05 € au niveau de cette enveloppe. Donc, 10, 11 et 5 centimes. Donc, on a bien les 11,05 €. Alors, enveloppe promo, on n'avait rien mis à l'intérieur. Enveloppe boucherie, pareil, on n'avait rien mis. Enveloppe médicale, on avait donc effectué un dépôt de 30 euros et je suis allée à la pharmacie le 21 janvier et j'en ai eu pour 30 euros. Donc cette enveloppe-ci est totalement vide. Et pour la dernière enveloppe de cette semaine, c'est l'enveloppe restaurant. On avait effectué un dépôt donc le 15 janvier de 50 euros. Au niveau de l'enveloppe restaurant. Et alors le 18 janvier, là j'ai regroupé les deux parce que j'étais un petit peu perdue au niveau des dates et je n'avais pas eu les tickets. Donc j'ai regroupé les deux, donc resto et snack. Les deux assemblés, j'en ai eu pour 40 euros et il me reste donc 10 euros au niveau de l'enveloppe restaurant. Hop. Et les 10 euros sont juste là. Donc pour la clôture de cette petite semaine, ça aurait pu être mieux. Je ne vais pas vous le cacher, ça aurait pu être mieux dans le sens où finalement au niveau des courses, j'ai quand même dépensé pas mal de sous. Mais voilà, c'était vraiment des petites choses qui me manquaient à droite à gauche. Maintenant, quand on a envie de faire des gâteaux ou de se manger des œufs ou autre, on a pris la décision d'acheter uniquement des lots d'œufs, voilà, des œufs. De poules élevées en plein air et bio. Donc c'est vrai qu'il y a une fameuse différence entre prendre 12 œufs à 1,29 € et en prendre 12 à 4,89 €. Voilà, mais malgré tout, ils sont super bons et la plupart du temps, on tombe sur des doubles jaunes et ça, c'est juste génial. Donc voilà, on s'est dit, ma foi, c'est pas plus mal de prendre des bons œufs et être tranquille. Alors, au niveau des sous de cette semaine, donc là, 10, 20, 30, 35, 35, donc là, ça fait 40, 41, 42, 43, on est bon? 45, attendez, 30, 35, 40, 45, on est bon. Je recompte deux fois parce que depuis la dernière fois où je me suis plantée, je préfère recalculer. Donc là, on a 1,20 €, 1,40 €, 1,50 €, 1,60 €, 65, 70, 75. Donc 1,75 € juste ici. C'est déjà pas mal. Ah, si ces pièces-là veulent bien se mettre correctement. Donc 30 € ici, 35, 40, 45, 46,75 €. Ça passe. Honnêtement, ça passe encore, donc vraiment super, super, super contente. Je vais malgré tout placer les pièces de 2 dans ma tirelire, quitte à les ressortir de toute façon après. Mais au moins comme ça, elles sont mises à l'abri. La petite monnaie qui est ici, vous le savez maintenant, je mets tout sur le côté et je les modifie une fois de temps en temps au travail. Donc la dernière fois, toutes mes pièces de monnaie, donc les pièces de 1 €, 50 centimes, 20 centimes et 10 centimes, je les ai ramenés au boulot et j'étais à 11,20 €. Donc ce qui est déjà vraiment pas mal. Donc on a fait la modification, on m'a rendu 1,20 € et alors on m'a donné un billet de 10 €. J'essaye de voir où est la petite boîte de monnaie. Hop. Donc elle est ici. D'habitude je sépare, mais là je vais tout mettre dedans. Donc il y a des pièces de 5 centimes et alors je mets toutes les autres pièces à l'intérieur. Donc pour ça, on est déjà bon, mes petits loustiques. Les sous qui sont là, on va les laisser là. Je vais retirer l'argent
que j'ai pu justement retirer vendredi. Donc, ils sont juste ici. Hop et hop. Donc, il y a 50, 100, 150, 200, 205, 210. Je vais rassembler le tout parce que ça, je ne vais peut-être pas le placer tout de suite en épargne. Comme je vous l'ai dit, les billets de 50 pour cette semaine, ça me pose un très, très gros problème. Voilà, donc ça va être un petit peu compliqué, mais tout ça, on va s'en occuper juste après. On va prendre dans un premier temps le challenge jour de pluie. Donc, je l'ai déjà rempli en avance. J'espère que vous allez voir correctement. Donc, la dernière fois, on s'est arrêté le 15. Il avait plu le 15. Ensuite, on a eu au niveau des jours de pluie le 16 janvier, le 17 janvier, le 18 janvier et le 20 janvier. Voilà, donc je vais devoir placer 4 pièces de 2 euros au niveau de mon challenge jour de pluie. Donc, les anciennes pièces sont juste ici. Hop, on va ouvrir cette petite enveloppe et on va retirer donc 4 pièces de 2 euros au niveau de ma tirelire. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et je ne sais pas pourquoi j'ai une pièce de 50 cents là-dedans. Ça, c'est à mon avis, c'est Victoria qui l'a mis la dernière fois. Elle le sait, ne pas mettre autre chose dans cette tirelire que des pièces de 2. Donc, pour le 16, pour le 17, pour le 18 et pour le 20 janvier. Hop. Ça, c'est déjà une bonne chose de fait. Donc, en tout et pour tout, je crois qu'on a 17 jours, si j'ai bien compté. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 16, 17. On a déjà eu 17 jours de pluie depuis le 1er janvier. On a été gâtés, hein. On ne va pas se mentir, on a quand même été bien gâtés. Donc, pour celui-ci, on est bon, on le continue à chaque fois qu'il y a de la pluie. Ensuite, on va prendre... Ouh, mon téléphone vient de faire le focus. On va prendre le challenge des vendredis. Je prends mon feutre. Hop là. Donc, on avait placé 6 euros la dernière fois. On avait placé les 13 également. Et alors, le dernier vendredi, on était le vendredi 20. Donc, je devrais déposer 20 euros au niveau de mon challenge. Au niveau des 20 euros, je vais les placer hop, comme ceci. Je vais prendre mon classeur du mois de janvier pour les placer à l'intérieur. Hop, ça, je peux le remettre sur le côté. Hop là. Je n'avais pas encore de billets de 10. Donc, nous sommes maintenant au mois de janvier à 50, 70, 90, 100, 110, 115. Je ne me suis pas trompée. Avec les billets de 5, mamma mia, qu'est-ce que c'est compliqué. Donc, 50, 70, 90, 100, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140. Donc... pour ce challenge-là, on est bon. Comme je vous l'ai dit et je le répète, le challenge jour de pluie, début février, on regardera à combien est-ce que nous en sommes et je retirerai les pièces de 2 euros et je ferai la modification avec l'argent que je vais retirer de mon compte. Comme ça, je ne suis quand même pas faussée. Donc, les pièces de 2 retourneront au niveau de ma tirelire et je placerai les billets dans l'enveloppe du mois de janvier. Donc, pour ça, mes petits loustiques, on est bon. Chose que je vais faire maintenant pour être tranquille, parce que je vais devoir, comme je vous ai dit, modifier les sous que j'ai retirés. Du moins, les billets de 50 qui sont juste là. Donc, je vais faire de la place. Hop. Alors, hop, les billets de 50 sont juste là. Les billets de 10 sont ici. Et les billets de 5, on va les placer juste là. Je vais vous bouger légèrement. Hop, voilà, comme ça on verra un petit peu plus clair. Je vais réouvrir mon enveloppe du mois de janvier parce que là, je n'ai pas le choix justement de modifier au moins 2-3 petits billets pour être tranquille. Alors, hop, voyons voir comment est-ce qu'on peut modifier tout ça. Donc là, j'ai 2, 4, 5. Est-ce que je modifie un billet de 50 comme ça?
Je vérifie avec vous hein, pour ne pas faire de bêtises. Donc, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 2 et 4. Donc ça, ça n'ira pas. Je vais faire 2, 4, 5. Je vais modifier comme ceci. Je vais rajouter un biais de 50 juste là. Donc 2, 1, hop, ça fait 50. Et alors, comment est-ce que je vais pouvoir faire le reste? Le biais de 10 qui est ici, je vais le mettre là et je vais retirer 10 euros juste ici. Donc, on va recompter, voir si on est bon. 50, 100, 110, 120, 130, 140. Donc, pour ça, on est bon. C'est cool et c'est comme je l'ai dit, si maintenant vous voyez que lorsque vous retirez de l'argent de votre compte, que c'est un petit peu galère pour avoir de la petite monnaie et que vous avez certaines enveloppes épargne, que ce soit des petits challenges, des petits défis ou autres, n'hésitez pas à faire la modification à vous-même. C'est le plus simple à faire. Honnêtement, c'est le plus simple à faire parce que sinon, ça va être très compliqué. Vous allez être en galère pour retirer l'argent, vous n'allez pas savoir où déposer. Et malheureusement, on va vouloir mettre plus au niveau des enveloppes. Et c'est une chose qu'on n'a pas envie forcément. Donc là, ici, 50, 100, 150, 170, 190, 190, 200, 210, 220, 215. Donc là, on est tout bon. On va pouvoir maintenant remplir les enveloppes pour cette dernière semaine du mois de janvier. Donc, je vais placer ceci sur le côté. Je vais bien évidemment prendre mon petit classeur. Alors, cette fois-ci, je n'ai absolument pas rempli mes enveloppes en avance, malheureusement. Je vais essayer de regarder si je peux vous placer autrement. Je reviens immédiatement. Je vais essayer de modifier un petit peu l'angle de vue pour que vous puissiez voir bien évidemment l'argent qui est là et le classeur. Bon, c'est peut-être pas mieux, mais c'est rien. Voilà. Je vous dis, c'est une galère totale pour filmer comme ça. Bref, alors, concernant l'enveloppe course de cette semaine, je vais placer un maximum. Je vais vous le dire pourquoi. Je vais placer 120 euros au niveau de l'enveloppe course. Je n'en ai pas spécialement besoin, mis à part pour les pains de la semaine. Donc, je me fixe un maximum de 20 euros. Je l'ai déjà dit, maintenant, les pains, je les prends au niveau de notre boulanger à notre travail. Donc, ils sont un petit peu plus chers, mais ils sont vraiment nettement meilleurs. Je vais avoir besoin de boîtes d'œufs. Donc, je compte ça au niveau du budget également. Et lundi, on a un livreur au niveau du boulot. Mais étant donné que des fois, je suis la première à être arrivée et que mes patrons arrivent un tout petit peu plus tard. Voilà, si jamais mes patrons ne sont pas là, eh bien, je vais devoir tout simplement avancer l'argent de la commande et dès qu'ils arrivent, ils me remboursent. Donc, nous sommes le 22 janvier. On effectue un dépôt. Et là, ce sera plus 120 euros. Et nous sommes donc à 120 euros au niveau de l'enveloppe course. Alors, on va faire comme ceci. Donc, 50, 100 et 120. Donc, j'espère vraiment que cette semaine, ça va être un petit peu plus calme au niveau des courses. Je l'espère. Hop. Mais voilà, maintenant, je peux pas, comme je l'ai dit, je peux pas toujours dire non à la petite. Maintenant, oui, ça dépend pourquoi. Hein. On va pas se le cacher. Mais voilà, il y a des fois où si vraiment je suis morte, fatiguée, je vous le cache pas. Le jour avant et qu'elle veut un gâteau bien spécifique pour aller à l'école et que je n'ai pas eu le temps de le faire, et bien là, oui, on va au petit carrefour du coin. Elle se prend une petite boisson, elle se prend un gâteau pour 10 heures. Et voilà, et à la longue, ça se chiffre quand même assez vite. Donc, je vais en profiter justement aujourd'hui pour faire deux gâteaux en avance. Donc, un gâteau au chocolat et un cake 4 quarts. Comme ça, on est tranquille et je laisserai ça au niveau du frigo. Ça tiendra largement jusque mercredi, voire jeudi. Donc, ce serait déjà pas mal. Ensuite, au niveau de l'enveloppe autres dépenses. Je vous l'avais déjà dit, j'hésite pour ma plastifieuse. J'aimerais bien en acheter une, mais je ne sais pas si je vais aller à Action.
Je ne sais pas du tout. Maintenant, je vais vous sortir une vidéo de toute façon d'ailleurs la semaine. Samedi, lorsque l'on a été à la FNAC avec Victoria, on a fait un détour pour éviter les trottoirs où il y avait de la glace et on est passé devant un magasin qui s'appelle donc Wibra. Je ne comptais absolument pas rentrer dans ce magasin-là, mais j'ai vu tout un rayon de la marque Pink Stuff. Je suis rentrée et j'ai effectué quand même pas mal de petits achats. Donc, en tout et pour tout, au niveau de mon retrait, de mes sous, j'aurais dû avoir 60 euros en plus. Enfin, 60, 70 euros en plus. Mais voilà, j'ai acheté quand même pas mal de petites choses, pas mal de produits que j'aimerais tester. Mais vous allez avoir tout ça dans une prochaine vidéo. Justement, je demande votre avis de savoir si vous voulez que je teste en vidéo avec vous pour vous donner mon ressenti et mon opinion totalement avec toute transparence, honnêteté. Vous savez très bien comment je suis. Donc, je me demande si je vais quand même placer de l'argent dans autres dépenses pour cette semaine ou non. Je ne sais pas encore, mais voilà. Pour l'instant, je pense que je ne vais rien déposer cette semaine au niveau de cette enveloppe-ci. On verra bien comment ça ira. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, hop, je peux refermer celle-ci. Au niveau de l'enveloppe promo, je ne la remplis toujours pas. Au niveau de l'enveloppe boucherie, je ne place rien à l'intérieur parce que j'ai encore pas mal de viande au niveau du congélateur. Pareil au niveau du boulot, notre fournisseur de tout ce qui est volaille et tout ça, ben, je ne demande plus rien pour l'instant parce que j'ai encore... Je crois que j'ai encore une vingtaine de filets de poulet, donc j'ai largement de quoi faire. Donc rien du tout pour cette semaine au niveau de l'enveloppe boucherie. Au niveau par contre de l'enveloppe médicale, là je vais effectuer un dépôt parce que cette fois-ci au niveau de la pharmacie, ce n'était pas pour moi, c'était pour Michel. Donc le 21 du 1, on est 21, je ne sais plus maintenant, non le 22, j'ai mis quoi là? Je ne sais plus quand est-ce que nous sommes, oh, le 22, voilà. Perdu. On va effectuer un dépôt hop, de 30 euros. Et donc, nous sommes à 30 euros au niveau de l'enveloppe médicale. Donc, pour les 30 euros, je vais placer ça hop, comme ceci. Donc, un billet de 20 et un billet de 10. Ça, il va falloir vraiment que j'y aille à la semaine. Et je vais demander le rendez-vous avec une infirmière pour vendredi après-midi. Parce que je n'ai absolument pas le temps d'y aller le matin. En gros, le matin, je me réveille, je m'occupe de la petite, je l'amène plus ou moins jusque l'école, plus ou moins. Il y a des fois où elle part même toute seule et donc c'est impossible pour moi de prendre un rendez-vous médical dès le matin. Dès le matin ou début d'après-midi, c'est vraiment impossible, donc je demande toujours le dernier rendez-vous. Donc là, bah, ce sera pour vendredi à 16h, 16h30. Je vais essayer de tenir jusque-là, mais... Voilà, maintenant il n'y a rien de grave avec le médecin. Je vous l'ai dit, moi c'est vraiment pour faire ma contraception. Et étant donné que c'est une contraception par injection, eh bien je n'ai pas le choix que d'aller jusque le médecin. Hop, au niveau de restaurant. Au niveau de restaurant, on avait voulu quand même y, aller au Grill Saint-Paul. Enfin, du moins j'avais demandé à Michel, mais il n'avait pas envie d'y aller vendredi. Le samedi, il a eu un petit souci. Voilà, je n'en discuterai pas sur YouTube. Mais... Donc, bah, c'est reporté. C'est reporté. Donc là, nous sommes donc le 22 janvier. On va effectuer un dépôt. Et là, je vais placer... Là, je vais placer les 75 qui restent. 75 euros. Et nous sommes donc à 75. Maintenant, je tiens quand même à préciser avec l'enveloppe restaurant... c'est pas des petits caprices hein, ou autres. Je sais que pour ça, vous êtes vraiment adorables. Mais je préfère toujours prévenir que cette enveloppe-ci, je la remplis lorsque c'est possible financièrement. Voilà, je sais qu'après le mois de janvier, je vais devoir me restreindre un petit peu sur certaines catégories d'enveloppes, tout simplement parce que je vais effectuer un virement bancaire au niveau du camping pour nos vacances de 2023. Et puis voilà, il va falloir quand même malgré tout faire un petit peu plus attention. Et puis, mais voilà, avec le temps qui va peut-être commencer à redevenir un petit peu meilleur. Donc 5, 70, 75. Bien, je sais que là, pareil, mon temps va être très, très, très limité. Michel, il va y avoir quand même pas mal d'événements au niveau
de l'école. Donc, il va falloir faire comme on peut. Mais donc, voilà pour tout ça, mes loustiques. Le remplissage est terminé. Moi, je vais vous reprendre face caméra pour vous expliquer la prochaine vidéo budget. Étant donné qu'on parle de vacances, bien évidemment, la prochaine vidéo budget parlera de vacances. Bon, et bien voilà mes loustiques. J'espère quand même que cette clôture, ce remplissage, tout ça vous a plu. Moi, comme je vous ai dit, je vous reprends vite face caméra pour vous parler de la prochaine vidéo budget. Et ce sera concernant notre budget vacances. J'ai essayé de regarder un petit peu à droite à gauche. Donc, on ira dans le même camping. Mais j'hésitais entre le chalet et les maisonnettes. Il y a quand même une petite différence de prix, je ne vais pas vous mentir. Mais j'ai un petit peu de mal avec les chalets. En fait, les chalets sont vraiment mis à ras des arbres, à ras de tout. Et les insectes, j'ai vraiment une peur de tous les insectes. Donc, je me suis dit une petite maisonnette, pourquoi pas. Elles sont quand même un petit peu plus éloignées de tout ce qui est arbres, feuillage, voilà, voilà. Donc, j'espère que ça ira. Mais oui, il y a quand même une très grosse différence quand même pour vous donner plus ou moins une idée de prix. Le chalet pour nous trois, en sachant que les chalets commencent uniquement par 4 personnes, donc on doit payer pour 4 personnes, revient à 535 €. Et la maisonnette pour nous trois revient à 700 € pour la semaine. Donc, voilà. Ça, je vais commencer petit à petit, mais je vais commencer à remplir les différentes épargnes pour nos vacances dès que la réservation a été au moins payée, donc un acompte a été donné. Ça, je pense que j'attends en fait la réponse du mail. Déjà, on essaye de se fixer par rapport aux dates, déjà bah, pour Michel, pour que quelqu'un puisse le remplacer. Et en même temps, moi au niveau du boulot, loin de là, moi au niveau du boulot, ils sont très 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 à l'écoute. Ma patronne, c'est comme elle a dit, tu prends tes vacances quand tu veux au mois de juillet, ne te tracasse pas pour ça, tu nous préviens même un mois à l'avance, il n'y a absolument pas de souci. Moi d'un autre côté, lundi, si j'ai le temps, je dois téléphoner à l'ONVA, donc c'est l'Office National des Vacances Annuelles, pour savoir si j'ai déjà droit à des vacances ou non, pour voir si j'ai droit à des congés payés ou non. Au moins déjà savoir ça. Maintenant, si je n'en ai pas, ben voilà, c'est comme elle a dit, tu ne te tracasses pas, ben ce sera une semaine en moins, c'est pas la mort. Mais il est vrai que pour nous, je pense que plus pour Michel, la dernière semaine de juillet, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que moi, de mon côté, les vacances que je pourrais prendre, ben c'est la dernière semaine du juillet et la première semaine du mois d'août. Donc voilà, c'est un petit peu plus compliqué, mais on va essayer de voir tout ça. Dès que Michel, lui, sait quoi, eh bien moi, je prends les directives, on va dire ça comme ça, de mon côté. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon. Je vais prendre vraiment toutes les infos de mon côté, envoyer un mail au camping pour que je puisse verser un acompte. Et après, bah voilà, dès que la deuxième partie de l'acompte sera versée, eh bien, je pourrai épargner pour les différentes catégories pour nos vacances. Donc, ce sera plus ou moins à ça. Du moins, ce sera ce style de vidéo-là. Je vais y arriver. La prochaine vidéo. La prochaine vidéo budget qui sortira, ben, ce sera un petit peu vous expliquer les différentes catégories que je vais avoir pour nos vacances. Pourquoi est-ce qu'il y en a que je vais remplir un petit peu plus à comparer à l'année précédente et d'autres un petit peu moins. Je vais sûrement essayer de moins catégoriser certaines choses pour justement en remplir d'autres un petit peu plus. Voilà, je l'ai bien vu quand même que sur le chemin par rapport ben, aux arrêts autoroute. Maintenant, oui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me l'ont dit et même sur Facebook. Oui, mais tu devrais prendre à manger, tu devrais prendre des thermos, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Vous n'êtes pas en fait à une place déjà de nous dire que on doit faire ça. Vous n'êtes pas mes parents, vous n'êtes pas les parents de Michel. Donc ceux qui voudraient commencer à me faire la morale en disant oui, mais sur l'autoroute c'est cher. Oui, hein, je sais quand même ce que c'est que de partir en vacances et de s'arrêter sur les aires d'autoroute. Mais il faut savoir une chose, c'est que Michel est tout seul pour conduire. Donc, un dans l'autre, on n'a pas le choix que de faire plusieurs arrêts, au moins pour boire des cafés chauds. Après 6 heures de route, je ne pense pas que le café dans le thermo va rester chaud. Et puis, de toute façon, on préfère les petits cafés sur l'autoroute. Moi, niveau Starbucks, bien évidemment. La petite niveau chocolat chaud et Starbucks aussi. Maintenant, tout ce qui est livre sur autoroute, je n'achète plus. J'ai ce qu'il faut. Mais voilà, au moins avec Victoria, je sais qu'il y aura quand même quelques dépenses. Je sais que Michel, on est des grands enfants aussi. Si on voit quelque chose qui nous plaît, ben c'est les vacances. Voilà, même si c'est le chemin des vacances, on va dépenser.
Et l'année passée, ça s'est vraiment très bien passé. Au niveau du pH, pareil, je vais compter quand même légèrement un petit peu plus. Mais par contre, là, ce ne sera absolument pas en liquide. Voilà, ce ne sera pas en cash parce que ouvrir sa fenêtre où tu as la petite baouette pour rentrer l'argent qui est soit à 2 mètres au-dessus, soit 2 mètres en dessous, la barrière qui s'ouvre, limite, tu crois que tu n'as pas le temps de récupérer ta monnaie. Donc non, cette année, j'ai dit, je vais vraiment essayer de me mettre tout sur un compte à part. Comme ça servira uniquement pour les péages. Pardon. Ça servira uniquement par les péages. Paiement sans contact. Et puis basta, on est tranquille. Pourquoi est-ce que je prévois aussi un petit peu plus? Mais je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. Inflation. Et je sais que les autoroutes en France ont justement parlé qu'il y a certains endroits qui vont être un rien un petit peu plus cher au niveau des péages. Pas de grand-chose, mais voilà, quelques centimes. Bah, un péage, deux péages, ça fait quand même pas mal. Il y a une fois aussi, on aimerait bien retourner en Italie. Donc là, il y a sûrement un péage aussi, si je ne dis pas de bêtises. Il y a des fois où on peut se tromper de sortie au niveau de l'autoroute. Donc bah, tu dois aller à la prochaine sortie. Et là, il y a péage également. Donc voilà, c'est vraiment deux, trois choses que je dois encore bien mettre à plat et bien tout vérifier. Mais sinon, vraiment pour la totalité du budget vacances, je me fixe entre 3 000 euros et grand maximum 4 000. Donc il faut savoir que là, nous sommes fin janvier. Et que je dois atteindre ce montant-là pour mi-juillet. Dans les 3 à 4 000 euros, je compte bien évidemment la location de l'hébergement, donc de la maisonnette. Je ne vais pas compter ça en plus parce que sinon 5 000 euros, ce serait vraiment trop élevé par rapport à ce que moi je gagne en tout cas. Mais ouais, j'ai vraiment pas envie qu'on se prenne la tête encore cette année avec les vacances. L'année passée, ça s'est vraiment très 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 bien passé. J'avais vraiment très bien calculé le tout. Donc j'étais super contente. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus maintenant parce que cette vidéo-là va être encore une vidéo à rallonge, mais n'hésitez pas, si vous souhaitez avoir la vidéo budget concernant nos vacances, eh bien j'essaie de vous faire ça le plus rapidement possible. Maintenant, je ne pense pas qu'elle va sortir demain ou après-demain parce que bah, il me faut le temps de la filmer, le temps de faire le montage, la placer sur le PC, puis après la placer sur YouTube, enfin voilà. Et cette semaine, ça va vraiment être une semaine très 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 compliquée pour moi et très limitée dans le temps. Donc je vais essayer de faire au mieux pour vous sortir tout ça. Mais voilà, il faudra juste être patient. Et sinon, avant de clôturer cette vidéo-là, j'ai une toute petite chose à vous dire. En toute logique, mi-février, j'espère, je vais donc recevoir la Cricut pour effectuer bah, mes petits vinyles pour mes enveloppes, pour les classeurs et pouvoir enfin... Bah, concrétiser mon petit projet, j'ai vraiment hâte de faire tout ça, donc je croise les doigts. Normalement, j'ai bien calculé sur mon budget de février, je pourrais me la permettre. Maintenant, je ne vais pas la payer plein pot. De 1, je ne vais pas la payer pardon, plein pot. Je vais effectuer un financement de 4 fois. Donc, à la place de payer 185 euros, bah, avec le financement, ça me reviendra à 196 ou 190 euros, enfin quelque chose comme ça. Oui, je me doute qu'il y a des frais. Je me doute qu'il y a des frais, mais voilà, j'ai trouvé un site sur Internet plutôt que d'effectuer un crédit en sachant que moi, de toute manière, je ne pourrais pas. Donc, c'est vraiment en accord avec cette personne-là où je pourrais effectuer le paiement en 4 fois sans frais, bien sûr. En 4 fois avec des frais. Loin de là, mon patron est tout content que je vais commander cet appareil-là. Donc, ils veulent faire moitié-moitié avec moi parce que je sais qu'ils vont l'utiliser aussi, mais moi, c'est hors de question. Maintenant, c'est comme j'ai dit, si eux, ils veulent effectuer bah, des vinyles, à ce moment-là, je leur dirai à eux de commander bah, les rouleaux, parce que les rouleaux, c'est un fameux budget aussi. Mais sinon, non, je ne vais pas commencer à faire moitié-moitié. L'appareil, de toute façon, ce sera pour moi. La plupart du temps, elle sera ici. Et ce sera vraiment du dépannage s'ils en ont besoin. Mais ouais, j'ai vraiment hâte de la recevoir. Donc, bah, dès que je l'ai, je vous fais un petit retour. Je ferai 2-3 tests et... Et je pourrais continuer mon petit projet qui attend quand même depuis pas mal de temps. J'ai vraiment hésité en fait à l'acheter. Et c'est encore à voir. Mais pour l'instant, dans mon budget, ça rentre dedans. Donc je croise les doigts. Bref, moi, mes loustiques d'amour, je vais quand même vous laisser là pour aujourd'hui. Parce que pour moi, il se fait déjà très très tard. Pour vous, la vidéo est très très longue. Mais voilà, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu malgré tout. Moi, je vous envoie des tonnes et des tonnes de bisous, prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire, soit par mail ou en commentaire, faites vraiment comme vous voulez. De toute façon, je vous mets toutes les infos dans la description de la vidéo.
Mais si vous voulez me dire comment s'est passée cette semaine pour vous, s'il y a des choses auxquelles vous avez envie justement que je réponde en vidéo sur YouTube, vous n'hésitez pas. Également, j'aimerais faire aussi une petite FAQ concernant justement tout ce qui regroupe le budget. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. J'essaierai de regrouper le tout. Mais voilà, je vais attendre d'avoir quelques petites questions pour répondre à tout ça. Moi, je vous laisse là pour aujourd'hui. Plein de gros bisous à vous, mes loustiques d'amour. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, mes loustiques.